If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it? Bah Patrick n'a pas beaucoup de points faibles, il a surtout des points forts, mais en même temps comme il est complet, on a besoin de développer tous ses points forts parce que il est bon debout, il est bon en lutte, il est bon en sol. C'est un combattant assez complet, aussi bon debout qu'au sol, dans les percussions que dans les projections. Point faible, point fort, ça se voit sur le taf. C'est un challenge intéressant. On va parler d'une ceinture, donc à partir de là, tous mes sens sont en éveil.